C'est bon, l'enregistrement a débuté. Donc, je vais vous faire découvrir la toute nouvelle expérience. Ah, attendez. Je vais quitter la course du nouveau Forza Motorsport 7. Alors là, j'ai eu le pack Ultimate. Alors, je vais vous montrer un petit peu les bolides, les voitures. Voiture. Ça, c'est toute la liste des voitures. Mais moi je crois que je vais les avoir gratuits avec le season pass. Je vais regarder ça vite fait. Deux secondes. Parce que moi j'ai pris vraiment la version. Ah voilà, d'accord, ok. Non, celle-là je ne sais pas. J'ai pris la version. Parce qu'il y en a une complète. Ouais. Sacrée collection de voitures. Je sais pas si tu vois, frangin. Alors, mon garage. Belle petite Audi TT. Voilà la voiture. Très très belle. Et celle-là aussi, j'ai gagné. Attendez, j'ai trompé. Donc voilà, c'est ça la nouvelle manette que j'ai eue. Xbox et sans fil. Le top. Franchement, j'ai eu à 45 euros. C'est le gars de Micromania. Micromania, de Micro SOS. Et c'est le billard. Les voitures. Petite de deux chemins. Voiture, voir voiture. Petite de gauche, sympathique. Et celle-là, elle est incroyable. De puissante sport. 1044 chevaux. Oh, oh. Bon, je vais piloter ça. Bon, je vais voir après. Hein. Après, j'ai Hyundai. Jaguar, Maserati, et aussi ça, Alfa Romeo, Aston Martin, Audio. On va se faire une petite Audi hein, déjà. Laquelle la plus puissante? C'est là. Piloter voiture.
quartier, quoi, ça me dépend. C'est ici que vous trouverez tout ce que vend la communauté. Vous pouvez vous lancer en enchérissant sur ce qui vous aura tapé dans l'œil. Ah, ils ont fait un truc comme dans le Grand Turismo, mais avec du online. Ah, c'était bien ça, mais c'était dans les vieux Grand Turismo. Création, ah, t'as des personnes qui... Attends, on va aller voir. Ça, c'est les versions officielles. Ah bon, t'as du prix qui se fait. Putain, faire les prix, les offres, c'est pas mal. Ça, c'est les premières ventes. D'accord. Attends, sur le temps, c'est une vente. Bon, allez, on va faire un petit circuit. Progression, dépenses, options, ATH, jour. La vidéo, ça c'est bon, on va terminer au maximum. Voilà, caméra, écran, afficher les fréquentes images, oui, bien sûr. Bah on va faire une petite course. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Oh mince, j'ai quitté le jeu. Bon, c'est pas grave. Attendez. Mon touche tourne à 60 FPS. Là, je l'ai sur, en plus ça charge vite hein, sur le disque SSD, alors quel bonheur. La présentation. Cadeau que j'ai reçu. Avec le pack que j'ai pris. Donc c'était en promo, je l'ai eu à 28 euros avec le Black Friday. Parce que ces jeux-là sur le store à télécharger, c'est très très complexe, c'est bien fait tout le temps. Donc je me suis fait plaisir. Déplacer partout, j'ai plus toutes ces manips parce que en version téléchargement c'est trop la galère, ça va pas, ils arrivent pas à le craquer. Alors, on va faire un petit solo. Forza. La confiance Forza. Le jeu automobile le plus important et le plus développé du monde. Depuis des décennies, elle attire les plus grands pilotes. Vitesse, polyvalence et réactivité seront de mise pour l'emporter. Seuls quelques privilégiés atteindront les sommets de cette coupe, s'étendant sur 5 continents, et empruntera les plus célèbres circuits de la planète. Et seul le vainqueur entrera au panthéon du sport automobile. Mais commencez par vous glisser dans la peau des anciens vainqueurs pour découvrir comment emporter la plus grande récompense automobile. La vitesse. L'essence même de la course. La vitesse ne se limite pas à des réveils d'ingénierie ou de conception. Il s'agit du pilote s'évertuant à dépasser les limites. Le tenant du titre, Michael Müller, fait partie de ces pilotes.
Recruté pour débarquer sur un circuit à bord de voitures toujours plus innovantes, il a tourné toutes les têtes lors de la course sur rotation de Dubaï, au volant d'une voiture dont tout le monde ignorait l'existence. Regardez-moi ça, ça c'est beau. Oh là là. Ah, puis je vais me régaler avec un rayon sans fil, ça va être... On passe à l'autre. J'ai entendu dire qu'il y avait un 8e épisode qui était prévu. Un nouveau grand tourisme aussi, mais sur la saison 5. À voir. Je trouve la conduite de Forza plus nerveuse, c'est ça que j'aime bien moi. Troisième. Et puis on voit les dégâts, c'est ça qui est bien par rapport à Grand Tourisme. Des camions.
bien. C'est une petite présentation, ça, en fait. Dès le début en lancement du jeu. Il y a un nouveau Dirt aussi qui est sorti. Il a l'air d'être pas mal du tout. Shader, là. Les gens de la compétition qui ont accueilli essaient pour sa concentration de tous les instants, même sous un déluge. Pour remporter la coupe pilote Forza, les pilotes doivent savoir s'adapter, car vitesse et polyvalence ne sont rien quand les conditions diffèrent d'un tour à l'autre. C'est clair. Attends, qu'est-ce qu'il est beau!
ça c'est bien. C'est un peu de la triche, mais bon, reprendre d'ici. Vraiment pratique, même si c'est cheaté. Comment ça le reflet là par terre, hein? Putain. C'est réaliste. Ah, ça ils appellent ça là. C'est un nouveau terme, je sais plus. La tâche sera ardue, mais quand vous soulèverez le trophée, le monde entier saura que vous êtes le plus grand pilote au monde. C'est moi le boss. Non, là, je suis pas le boss dixième. Alors, c'est bon. Bienvenue dans le championnat des découvertes. Il se compose de plusieurs championnats, comprenant même plus de 50 divisions et différents types de véhicules. Il est donc temps de faire un choix. Par quoi allez-vous commencer? Alors, bien, je vais faire un truc sur les... Faut que je teste là aussi, là. Je vais faire un jeu libre. Oui. Donc j'ai ma Audi. Bienvenue dans le Drag Experience. Choisir la voiture, configuration, configuration de la course. Règles. Voilà, et c'est course. Allez, on va voir celle-là. Hop, hop, hop. Et le pilotage intermédiaire. Niveau. Carburant et pneus. Simulation. Voilà, pour voir ce que ça donne. Oh, mince, quitté. Ah. Très bizarre. Séquence, division des véhicules. On va voir un peu de tout, c'est pas grave. Différent.
sélection. Hop. Alors, option. Règle avancée. Ah, attends, dis pas que je reviens quand même. J'ai un peu de mal, hein, faut le temps de trouver son repère. Non, c'est pas celle-là. C'est là où je voulais voir. Qui avait l'air bien. Ah, je peux pas prendre mon délit. Ah, mince, hein. Ah, c'est peut-être pas pour. De 10, comment ça se fait? Oh, c'est dommage. Hein. Faudrait que je regarde ça, c'est pas grave. Je vais reprendre le circuit tout à l'heure qui avait l'air d'être pas mal. Je vais voir celui de Londres, ouais, qui est super beau. Choisir la voiture, désolé. Jaguar, allez. Alors, je vais sonner. Un peu course. Accéder à la course. À Prague, autant pour moi. Je pense que c'était Londres, mais c'est Prague. Thank you.
pas mis les dégâts là, parce que c'est superficiel. J'aurais voulu mettre au cadre. C'est pas grave. Oh, c'est magnifique. Magnifique. C'est dingue. Putain, pour 19,99€, la version premium, ça vaut vraiment le coup. Oh. Ah ouais, non, là, t'as des jeux et une PS5. De toute façon, avec ta carte, t'as plus de jeux aussi. On va dire que c'est des jeux cross-gen. Hein. Ils existent aussi sur Xbox One normal, mais bon, en moins bon. Quand tu auras les gros jeux de voiture qui sortiront dans 2 ans, ça va faire très très mal. Ça c'est bien par rapport à Gran Turismo, voilà. Et encore j'ai mis au minimum, hein. J'ai mis en minimum, voilà. Ça ça charge vite, hein, sur les SSD. Quitter la course. Okay. Là, configuration. Configuration de la course. S'il y a le circuit qu'il y avait dans Gran Turismo, mon préféré là. Des mondes ouverts avec des graphismes partout comme ça. Mais ils vont le faire, hein, bah, de toute façon, ça arrivera un jour. C'est bon.
panorama, on va y aller, pour qu'on ait le temps. Magnifique. La vie seule avec des nuages de particules. Ah, c'est trop beau. De toute façon, il y a du lourd qui va arriver. Hein. Très très lourd. C'était quoi les roues, ça? Moi, je n'ai plus. Preuve spéciale, tiens, on peut essayer.
été faire une compétition attends. Avec des rivaux, tant qu'à faire. Kitty. Là, c'est une course unique. Défi, c'est ça. Je vois le circuit. Daytona USA, c'était très très bon jeu ça. C'est beaucoup trop long. Ça, je ferai ça quand bon, je montre un petit peu. Ok. Réaliser un virage parfait. Ah, t'as un éditeur de circuit. Carburant et pneus de simulation. Je regarde aussi un truc confort. Alors, accueil. Tiens, on va voir un petit multi de multijoueur, ce que ça va là. Bienvenue dans l'univers de la course mondiale. Ici, les pilotes se lancent dans une nouvelle arène toujours plus redoutable contre des adversaires de chair et de sang, ou similaires.
c'est également l'endroit où il est pour ressentir le frisson du jeu compétitif et de l'e-sport. Et la satisfaction de devenir votre concurrent. Alors, établissement d'une connexion de qualité. À votre micro, oui. Pourquoi pas. Bon, on verra plus tard aussi. Il y a trop de choses. Message, c'est quoi ça? Il ne va pas falloir de voiture. Je vous offre la première. Alors choisissez celle que vous voulez. Sauvage, grisante et extrêmement rapide. Les premières supercars ont vu le jour avant que la technologie moderne ne vienne assister les pilotes. Faites des étincelles à bord de ces concentrées de force brute. Tu veux faire combien en voiture? Donc la petite Ferrari, là. De nouvelles créations sont disponibles pour personnaliser votre voiture. Et puis après, on va arrêter la vidéo. Hein, parce que... Avant la course, vous pouvez faire quelques choix de dernière minute. Vous avez la possibilité de changer d'équipement, de régler votre voiture et bien plus. Ça ne fait jamais mal de tout vérifier avant de se passer. Non, mais c'est bon, ça va aller. On est là pour faire une course découverte. On va prévenir ça plus tard. Bien, dans un souci d'équité, cette course est homologuée. Chaque voiture sur la piste répond donc à la même réglementation. Ainsi, la course sera à la fois serrée et équitable. Ok, tout est prêt. On y va. Ça va, elle part pas en 17 comme dans beaucoup de jeux de voiture. Attendez, là, je vais faire le mode triche, désolé.
de la vue pour voir, mais je sentais une érection alors. Allez, je vous fais des gros bisous et puis bah, j'espère que ça vous a bien plu. Et puis, le bonheur, quitter la course, on va quitter. Je découvrirai ça demain, plus. Il est trop tard, 4h30 du matin. Je suis endormi à 10h. Chaud. On a duré longtemps la vidéo.